Ok Marie, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Bonjour à tous. Oula, oui, mais il y a un petit problème, Marie. Bonjour à tous, chers résidents de Lille. En ce mercredi 11 mai 2022, il est actuellement 15h24 sur notre belle Salisbourg. Croyez-le ou pas, on m'a dit que Jason est sur Salisbourg pour profiter un peu de Lille. Nos insectes doivent lui manquer. Si vous voulez en partager quelques-uns avec lui, il sera sûrement ravi. C'est tout pour le moment. Permettez-moi de vous souhaiter à tous une merveilleuse journée. Ah mais très bien, je sais pas si j'ai encore des insectes à vendre d'ailleurs. T'as déjà joué à Stardew, bien sûr. J'aime beaucoup Stardew Valley. Poup poup poup. Poup 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 poup. Animal Crossing! Let's go! J'ai joué un peu dans la semaine. Une ou deux fois. Pour récolter des plans, pour aller voir voilà, des trucs, pour commander des trucs par la poste, vu que c'est que 5 achats par jour, voilà, je voulais optimiser. Genre ça, là, je vais le vendre à Jason Derulo. Après, la puce, je crois que j'ai envie de la garder. Joue sans nous. J'ai joué sans vous. J'ai fait ça. Non mais Animal Crossing, voilà. Regardez, la dernière fois, on avait commencé à faire cette salle de yoga. Ce n'est qu'une ébauche, évidemment. Ce n'est qu'un croquis. Ah ! Excusez-moi. Ah bah tiens, d'ailleurs, je devais donner ça à un habitant, mais... Ah ! J'ai complètement oublié. Tiens, dis donc, on passe par toutes les émotions aujourd'hui. Ah mais oui ! J'ai acheté ça aussi, que j'avais reçu par la poste, et c'est vrai que c'est beaucoup mieux pour le studio de yoga. Merci, vous êtes trop chou. Merci pour les AT souhaits. Parce que c'est vrai que ça, ça fait trop chargé hein, pour la pièce de yoga, je trouve. Donc le sol bleu, ça me semble parfait. Je vais essayer de le mettre dans un sens et dans l'autre. C'est un présage! Vertical ou horizontal? J'aurais tendance à dire horizontal, moi. Vu que les tapis sont mis à la verticale. Ok, on est d'accord. On est d'accord, c'est ça que j'aime chez vous. Tout à fait. Du coup, j'ai racheté des tapis de yoga. On va pouvoir les refaire afin qu'ils fitent aux couleurs de la salle. Je pense le remettre en blanc. Hop. Comme d'hab, on fait un petit tour de l'île et puis on finira peut-être par une maison du DLC. Voilà quoi. Ok. Hop. Donc ouais, j'ai commandé des trucs et tout pour aller plus vite parce que c'est vrai que à hauteur de 5 tapis par jour, enfin 5 articles par jour, on n'avance pas trop quand on veut faire certains projets. Donc voilà. Et du coup... Il y a vraiment des trucs en double que je devrais enlever quand même. 4 quarts à l'orange, mur rustique. Petite commode basique. Des bisous Erwen. Ah oui, j'avais pris ça aussi. Bon, en vrai, ça, c'est trop bien. C'est pile le genre de truc qu'il nous faut. Ah oui! C'est vrai. On avait pris les balles comme ça de gymnastique. Je pense que ça peut être bien. Faut juste que je vois en quelle couleur c'est dispo. Ah, mais je peux pas le faire là. Je pense que je le ferai juste chez Serge. Ouais, c'est ça. Quinoïde. Tapis de yoga. Ok. Alors, hop. C'est quoi, lui? Oh, mais je l'adore. Bah vas-y, parle. Ah, voilà.
Mais il est trop beau, on va le laisser dans la salle de yoga, ça sera le maître de la salle de yoga. On va juste changer sa couleur parce qu'il est trop ton sur ton. En jaune. C'est le prof. Oh, j'avoue, c'est lui le prof. J'ai trop envie de le mettre sur la serviette. Mais j'adore! Il est vraiment en mode... il montre le yoga et tout. Il est trop pipou le prof! Avec des motifs sur le sol, on peut lui faire une serviette. Oui, mais moi j'aime pas trop quand c'est des motifs et tout. Je préfère quand il y a du relief, de la texture, etc. Ça, c'est pas très ratus. Merci Phoenix Brûlant pour le Prime. Il est trop beau. Il est trop chou. Je l'adore. Bon, ok. Tu peux le mettre sur la serviette si tu l'accroches au mur et que tu colles une serviette contre le mur. C'est vrai qu'on peut tenter ça. Attendez, on me fait un test. Ah. Regardez ce que j'ai trouvé! Et attendez, le lendemain de quand je vous ai dit il va me falloir une télé pour la salle de yoga, dans mon truc Nook, j'avais ça. Le lendemain. C'est énorme. Alors. Il est trop chou. Bienvenue, Kiro. La serre, ouais, la serre est trop belle. Je cherche le tapis de yoga. J'ai commandé plein de trucs comme ça aussi. Les champs de céréales, là. Ah, voilà. Si je fais ça. On va voir si on peut faire l'illusion. C'est mieux qu'il soit au milieu des serviettes, je pense. Ou alors qu'on le laisse sur son estrade. Ou alors on le laisse sur son estrade. Un coussin? Ah ouais, non, ça glitch. Peut-être le coussin qui est plus rebondi, là. Celui qui est plus bombé. On dirait qu'il donne un cours d'aérobic. Non, mais c'est trop bien, c'est le but, du coup. Ça va être parfait. Sur un tabouret, non, mais je crois que je l'aime bien, soit au sol, soit je sais pas si sur un tabouret ça va me convenir. Par contre, le coussin, je le trouve pas. Le coussin bombé, en plus j'en ai 6 milliards de cet item normalement, me dites pas que j'en ai plus. Les habitons et les coussins de sol, tu peux poser direct ton gyroïde dessus, je crois. Ah bon?
Ah mais oui, ça fait sens en vrai. Mais il est trop mignon! C'est le professeur! Bonjour, professeur! Par contre, c'est pas aligné. Mais c'est parfait en plus, regardez! Ce qu'il y a à la télé! Tu parles plus? Mais c'est trop bien! Ah là, c'est parfait, je suis comblée, quoi. Tiens, d'ailleurs, je me demande si... Je pense que le carrelage, ça sera mieux. Ah ouais, là, franchement, on est trop bien. Bah écoutez, il y a encore à faire dans cette salle de yoga, de façon. Mais ça commence à ressembler à quelque chose de pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Faudrait qu'on regarde ce qu'on mettra d'autre et tout. Pour l'instant, je trouve ça chouette. Ah, c'était lui, le coussin. Bon, du coup, faudrait que je le repasse en normal. Tu as craft les heurtoirs au bambou de la semaine dernière? Non, pas du tout. Non, non, quand je joue, c'est juste pour récupérer les plans, les trucs comme ça, mais je joue pas sans vous, sinon. Hein. Hop. Le mur, je sais même pas comment il s'appelle. Mur blanc carreau. Il y a celui-là sinon. Ah, celui-là, il peut pas être dessus. Ok. Ok. Du coup, je crois que... Hop. Je crois que je peux prendre du bambou. Comment tu as construit le prof de yoga? Bah, c'est un gyroïde, je l'ai eu comme ça. C'est ça là, le heurtoir. Ah non, il est où? Poum, 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 poum. Il est là. Faut que j'aille acheter des plans pour modifier la couleur, parce qu'en vert comme ça n'ira pas. Construire son prof. Hop. Bingo. Ok, j'en ai pas mal, c'est cool. Tapis de yoga, je range. La robe longue. Elle est trop belle. On va aller se changer. Tout ça, je garde. Ça, je range. Ok. Bon, bah, on le laisse là, le prof, du coup. Je vais aller me changer. Il se modifie pas, non, le heurtoir. Si, il me semble. Peut-être que je me trompe, fils Kalili, mais... Si tu vas voir Serge, il te change les couleurs et motifs. Exactement. Mais contre des clochettes, alors que ça revient moins cher, je pense, d'acheter
les kits de personnalisation plutôt. Bon, il fait super beau, c'est l'occasion de sortir cette magnifique jupe citron estivale. Y a pas parfait. Couleur lime, ouais. Surtout, il peut le faire sur des objets où de base tu peux pas le faire toi. Ouais, voilà, c'est ça l'intérêt de Serge. Mais là, le heurtoir, je peux le faire moi-même normalement. Qu'est-ce qu'il y a? Crevette, tu es là? C'est moi, Coco. Crevette, tu es là, Pinou? Tu peux ouvrir la porte? J'arrive. Je suis là. Elle m'appelle Crevette et Pinou. Elle est trop mignonne. Tu es là, Pinou? Crevette. Coucou, j'avais envie de passer te voir, alors me voilà, Pinou. Coco, tu veux venir voir ma salle de yoga? Il meurt si tu leur ouvres pas assez vite. J'étais dans le coin, alors j'ai eu l'idée de passer. Je suis contente que tu sois là, Pinou. J'ai apporté un petit plaisir pour tes papilles. C'est trois fois rien, juste une cerise. Je sais pas ce qu'ils ont avec les cerises à chaque fois. J'espère que tu as faim, Pinou. Je trouve ça dommage que les jupes soient tout le temps taille basse. C'est vrai. Regardez comme elle est belle. J'ai une photo d'elle juste là en plus. Je voulais passer un coup de vent, mais maintenant que je suis là, je resterai bien un peu. Tu me suis ou pas? Ou elle reste dans la salle principale? Tu veux pas voir ma salle de yoga? Je suis trop contente de faire une salle de yoga ici. Non, elle me suit pas. Cerise, c'est pas le fruit originaire de ton île? Non. Non, c'est la pêche. Si, elle va venir? Ah ouais, c'est vrai? Je sais que dans les anciens, ils venaient quand tu changeais de pièce, mais là, j'ai l'impression qu'ils restent dans la pièce principale. On attend un peu alors. C'est la première fois que je regarde ton live si tôt. C'est ma première journée de congé en 10 jours et je me suis réveillée à 5h30 du matin. Au Québec, tes lives commencent vraiment tôt. En vrai, c'est pas mal hein, du coup hein, de streamer pour les Québécois en début d'après-midi. T'as eu où les tapis de yoga? À la boutique. Quand ils viennent à l'improviste, ils restent dans la première salle et quand ils demandent à venir chez toi, ils te suivent. Bon, ben dommage. Mimi, cette salle de yoga. Merci. Coucou, Ekmul. Elle est pas finie, hein. Elle est loin d'être finie. Il faut lui reparler jusqu'à ce qu'elle te demande de lui faire visiter pour qu'elle te suive. Vas-y, je vais lui reparler. Il est temps pour moi d'y aller. Attends, attends, tu veux pas rester? Tu es sérieux? J'espérais que tu me le proposes. Tu n'aurais pas envie de faire un jeu? Vas-y. Si on faisait une partie de plus ou moins? Oui, non, mais je sais ce que c'est. Un polo large à rayures. Je pense qu'on va faire exprès de perdre. C'est le 5. Plus ou moins? Ça, c'est pas très gratuit. Ben, vas-y, je vais mettre plus petit. Merci, Lily, pour le 9e mois. Let's go! J'ai pas le vieux pull à rayures. Dommage, tu t'es planté. Oh, quel dommage. Je suis dégoûtée. Tu sais, à la maison, j'ai un pot identique au tien. C'est vrai, en plus. On dirait qu'on a les mêmes goûts, ça me fait plaisir. Merci, Anna Haru, pour le 2e mois. On est bien chez toi. Je suis curieuse, est-ce que la console d'ancienne est d'époque? Elle ressemble à ces antiquités qu'on se transmet de génération en génération. Bon, écoute. Tu bois? J'avoue, Coco en mode plus ou moins. Moins. Et non, c'était 7, tu bois. Alors... Et dans le salon, les gyroïdes sont profs de poterie. Mais ouais, je vais tout changer, hein, j'avoue. Toute la maison, je vais quasiment... même si elle me plaît beaucoup. Bon, la salle de bain, c'est la pièce qui changera pas. C'est pas très gratuit. Merci, Emika, pour le 19e mois.
Mais vraiment, je vais tout changer dans la maison parce que ça fait trop longtemps que j'ai les mêmes pièces et la même déco, tout ça. Merci Francky pour le 14e mois. J'ai tellement entendu parler des plantes détoxifiantes que j'ai fini par craquer. Mais j'ai plus de place chez moi, alors surprise! Ça doit aussi marcher contre les mauvaises odeurs. Donc en fait, elle est en train de dire que chez moi ça pue? C'est ça qu'elle est en train de dire? Salut Thunder Diamant! Ben merci. Ça veut dire que chez moi ça pue. Ok. Ah voilà, vous voyez, j'avais acheté les champs de céréales exprès. Je pense que je l'aurais mal pris, mais je le prends mal du coup. Je le prends mal. Param pam param pam. Lui aussi, il est trop mignon. Il irait trop bien dans la salle de yoga. Lui, là. La petite goutte d'eau. Ce soir, je reset mon île, mi-peur, mi-excitation. Ah! C'est intéressant, en vrai, Lua. Tu fais ça parce que t'en as marre de ton île, tu veux refaire un autre truc complètement différent. Voilà, je vais ranger tous les champs de céréales. Je m'en servirai plus tard. C'est la transpi du yoga qui fait cette odeur. Mur rustique. Tout ça, je vais garder. Moi aussi, je suis tentée de reset mon île. Je ne suis pas allée depuis un an au moins et le jeu me manque. En vrai, comme je l'ai dit la dernière fois, reset l'île, c'est quitte ou double, quoi. Et soit tu reset l'île et t'es refait ou refaite et t'es en mode let's go, fresh start, genre je vais pouvoir recommencer depuis le début et tout, c'est trop satisfaisant. Soit en fait au contraire t'es en mode waouh, j'avais pas réalisé que c'était aussi complet, qu'il y avait autant de trucs et tout, ça me saoule. Et du coup, voilà quoi. Et du coup tu retournes jamais dessus. Au choix. Comment vous faites pour reset? Je crois que c'est au tout début, avant même de lancer le jeu, faut que tu parles à Tom Nook. Batterie faible, oui. Il ne reste que 800 heures d'autonomie. J'ai tellement de trucs en double. En vrai, il y a vraiment des trucs dont je vais pas me resservir. Doudoum, doudoum, doudoum. Ouais, ok. Putain, mais pareil, ce petit chien, je l'ai en 6 milliards d'exemplaires. Ah, non, ça je peux pas les revendre à Jason. Dommage. Salut, Torrentiel. Et c'est vrai que c'est long, Animal Crossing, c'est beaucoup d'investissement et tout, donc si tu supprimes tout, t'es en mode qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Après, tu peux aussi reset en mettant tes objets chez quelqu'un. Genre, je suis sûre que sur le Discord, par exemple, vous pouvez trouver des gens de confiance. Vous mettez tous vos objets qui vous tiennent à cœur, etc. Et ensuite, vous allez les récupérer. Franchement, je trouve que ça le fait. Ouais, ce qui est chiant, c'est les plans. Et encore que franchement, avec tous les plans qu'on a en double et tout, je suis sûre que ça peut aller vite. Moi, j'avais fait ça pour mon cousin, pour qu'il refasse toute son île, parce qu'il avait commencé son île quand il savait pas encore lire. Il était petit. Donc du coup, il s'était appelé n'importe comment. Et le nom de son île et le nom de son perso, c'était n'importe quoi. Du coup, il a voulu recommencer pour que les gens l'appellent vraiment par son prénom. Et on a tout recommencé et il a laissé toutes ses affaires chez moi et tout, et c'était cool en vrai. Bah alors? Bah qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est la première fois que je vois un de mes habitants aussi loin. Chill? Il attend son dealer. Il attend Runar le dealer.
Salut Whatnap, ça faisait depuis longtemps que je voulais t'en parler de ce que j'en pense d'Agretsuko, c'est vraiment un très bon animé. Ouais, oui, il est trop bien. Agretsuko, c'est trop cool. Salut Ponzillion. Merci, c'est gentil. Mais il est trop chou ce gain. Il tient bien droit. Crevette, c'est gentil de t'arrêter pour bavarder, ça va? J'ai eu l'impression que t'essayais de m'éviter ces tantis. Mais non, pas du tout. Pas du tout ce gain, que nenni. Attends, je vais acheter du papier cadeau pour te donner des cadeaux. Bouge pas ce gain, j'arrive. Salut Pumloni. Ça y est, déjà 15h50, en effet, vous avez raison, on commence absolument pas Animal Crossing, on va déjà devoir regarder l'Indies. En vrai, l'Indies, pour ceux qui savent pas ce que c'est une vidéo en gros publiée par Nintendo qui va parler de tous les jeux indépendants qui vont sortir sur Switch dans les prochains mois, et en vrai, c'est vraiment très cool. Dans le sens où ça vous donne plein d'idées, et c'est dans ce genre de présentation qu'on a des jeux adorables de simulation de vie comme Cozy Grove par exemple, ou des trucs comme ça. Donc si vous aimez Animal Crossing, c'est possible qu'il y ait des jeux similaires qui puissent être annoncés quoi. Bon, je vais lui vendre ça. Vu la position et l'endroit où il était, il a peut-être besoin d'un autre type de papier que du papier cadeau. Tiens, 5000 balles en vidant mes poches, parfait. Ouais, on découvre pas mal de jeux, vraiment des petites pépites et tout en regardant les directs, donc c'est chouette quoi. Voilà. Je me suis dit que c'était là que j'avais envie de faire le verger. Et que là, je ferais une espèce de champ. Voilà. Non, Fall Guys est toujours pas sur Switch. Tadam, tam, tadam, tam. Waouh, elle est trop belle cette machine à coudre. Je sais pas du tout me servir d'une machine à coudre. D'ailleurs, je ne sais pas coudre. J'aimerais bien, mais à chaque fois que ma mamie elle me montre et tout, je suis nulle. Ça tient jamais. Je vais me séparer de plein de trucs. Hop. Ok. Life couture. Non, mais c'est vrai, je suis nulle en couture. 14 000 clochettes? Mais qu'est-ce que j'ai vendu à ce prix-là? Qu'est-ce que j'ai vendu à ce prix-là? La rose dorée, mais la rose dorée, c'est 3000. Ah, avec le ticket clochette et tout. Mon âme. Une partie de tes objets ne vaut rien du tout. Ah bon, c'est quoi que j'ai vendu qui valait rien? Ah oui, le livre. Ok. Ouais, c'est ça, c'est la rose en or et le ticket clochette, vous avez raison. Alors, est-ce qu'il y a un truc bien ici? Non, il n'y a rien pour moi. Putain, les sols et les murs, vraiment, je trouve que c'est pas ouf hein, dans Animal Crossing. Ils abusent quand même. Hein. C'est vraiment... Il y a genre 5% des sols et des murs qui sont chouettes et le reste, c'est immétable, j'ai l'impression. 12 ans de couture, je commence à peine à me dire que je fais des trucs jolis. Et moi, je suis obligée d'aller chez la couturière pour qu'elle me fasse genre... Tu vois, j'ai un crop top avec les bretelles spaghetti, là. Je sais pas si vous voyez, c'est quand c'est tout fin. Et elle commence à se détacher parce que c'est de la merde. Voilà, parce que c'est de la fast fashion, c'est immonde. Et du coup, ben pareil, je dois aller chez la couturière. Alors que je sais que c'est simple. Je pourrais même découper un ancien soutif, récupérer les bretelles. Je pourrais, hein. Je pourrais. Mais je ne sais pas le faire. Si, je dois prendre du papier cadeau. Merci, Flemida. Flemeida.
Ah, tiens, elle est là aussi, Coco. Bon, de toute façon, il est 54, on va aller en vocal avec Pompon pour le hindi. La même technique que t'as fait avec la robe magique. Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai faite, c'est ma grand-mère. Et à chaque fois que je vais voir ma grand-mère, je lui sors 6 milliards de trucs à recoudre, donc bon... C'est pas non plus ma couturière personnelle, quoi. Ok, il est 55. J'achète du papier cadeau. Je rejoins Pompon en vocal. On regarde l'Indy, ça va durer genre 20 minutes. On fait un petit débrief et on retourne sur Animal Crossing, ok? Hop. Grand-mère, machine à coudre. Bah, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Après, quand je vais l'avoir juste un week-end et que je lui mets la pression avec tout ce que j'ai à recoudre, bon... Hop. Mais donc du coup, j'aimerais bien savoir le faire seul, quoi. C'est maintenant qu'on a de faux espoirs pour Silksong. En vrai, Silksong, j'y crois pas, moi. Dans un indie, j'y crois pas. Je me trompe peut-être, hein, mais j'y crois pas dans un indie. Je pense qu'il sera pas annoncé dans un indie. Ça a pris trop d'ampleur, Hollow Knight.